Eh. Eh, yo. I did it. I f***ing did it. Non. Oui. C'était une super surprise pour nous. Pour moi aussi. Non, ouais, Oui, alors c'est un peu étrange aujourd'hui de penser ça ou de rêver ça à l'échelle d'une vie, parce que ça débute forcément par la rencontre de quelqu'un, c'est certain. Évidemment que j'aurais pu essayer en tout cas de tomber enceinte plus tôt, mais surtout c'est que j'avais pas le contexte qui m'en donnait envie en tout cas. Et puis là j'ai l'impression que les planètes se sont alignées au bon moment, avec le bon contexte, la bonne personne, et puis j'accueille cette nouvelle avec évidemment beaucoup de bonheur. Le titre Boy effectivement est né de ces derniers mois, mais d'ailleurs comme tout l'album, je projetais pas de revenir en studio tout de suite. Et puis finalement, je suis revenue à mon premier amour, instinctivement, de façon très naturelle, avec Cyril aussi qui a été inspiré autant que moi, Cyril avec qui je bosse depuis les premiers albums. Peut-être que c'est l'un des albums qu'on aura fait le plus vite finalement, mais c'est peut-être l'inspiration la plus puissante, la plus intense que j'ai jamais eue de ma vie. Oui, forcément que cette chanson est hyper importante, parce que c'est la première qu'on va écouter. C'est à travers cette chanson et ce clip qu'on va découvrir aussi que je suis enceinte. Pour moi, c'était la meilleure façon de l'annoncer au public qui me suit, de l'annoncer à mes fans aussi, qui, quand ils vont l'apprendre, je crois qu'il y en a beaucoup qui vont être certainement aussi heureux que moi, parce qu'ils savent que c'est un sujet qui m'a touchée pendant des années. Ça a été un sujet dont j'ai longuement parlé et sur lequel j'ai vachement réfléchi, en fait, de savoir comment je vais l'annoncer. Il y a un moment donné où on allait être au courant, de toute façon, j'avais pas envie que ce soit une information qu'on me vole. Je voulais pas un post sur les réseaux sociaux. J'avais une vulgarisation du truc qui me plaisait pas, et puis je me dis, quelle est la plus belle façon et la meilleure façon que j'ai à dire les choses, c'est en musique, et pour moi c'était la plus belle façon de le dire aussi, quoi. Je contrôle, après une fois que l'information sera dite, je pourrais pas empêcher les vols de photos, etc. Ça a été hyper difficile, et mes proches et mes potes, j'ai dû leur dire tout de suite, parce que quand ils m'ont vu prendre un verre d'eau au lieu du vin, c'était... Bon, voilà, hein. C'est pas trop dans mes habitudes, donc ils m'ont vite grillé, et puis je suis moins sortie. Il a fallu inventer des excuses de « non, je suis fatiguée » ou « j'ai pris une grosse cuite hier », et puis au final, je me suis rendu compte que j'avais des proches qui sont fidèles, qui sont respectueux de mon intimité et qui ont tenu leurs promesses et qui n'ont pas divulgué l'information, et ça, voilà, je l'ai gardé finalement très 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 longtemps. Après, de le dire maintenant aussi, ça me fait plaisir de pouvoir mettre une photo sur les réseaux sociaux et ne pas réfléchir 10 000 fois à l'angle, est-ce que ça se voit pas, etc. C'est sympa. Et puis annoncer à tout le monde que j'ai pas fait des implants mammaires, mais que c'était juste du lait, en fait, ça aussi, ça va être cool. La peur que ça se réalise pas, déjà. La peur de pas trouver le contexte intime et sentimental que ça arrive. Toutes ces questions, je les avais en tête avant d'être enceinte, finalement. Elles se sont résolues en un test. Et à partir de là, effectivement, je sais pas quel est ce phénomène, mais il y a quelque chose de très organique, d'animal, de chimique presque, où je me suis sentie hyper vite apaisée sur plein de choses. En fait, j'avais surtout envie de célébrer la féminité et la femme dans ce clip. C'est aussi pour ça qu'il n'y a que des femmes. D'ailleurs, au début, j'avais envie que toutes les danseuses portent une prothèse de ventre. Enfin voilà, j'avais vraiment envie de mettre ça en exergue et de célébrer la femme, parce qu'elle est puissante, parce qu'elle est forte, parce qu'elle est courageuse. C'est même pas qu'elle est utile ou nécessaire, c'est qu'elle est indispensable à l'humanité. Et j'avais envie de montrer ce côté fort qu'il y a chez une femme, et qu'effectivement, que le 34 et le bide plat, c'est pas un critère de beauté, quoi. J'ai décidé à quel moment le dire, à quelle période de ma grossesse et comment le dire, et c'est déjà énorme pour moi, quoi.